Bonjour à tous. Comme d'habitude, c'était un petit peu étrange, mais apparemment, tout va bien. J'étais un petit peu pressé aujourd'hui, donc là, c'est vraiment à la dernière minute. Je vais dire bonjour à tout le monde, comme d'habitude. Donc, bonjour Yossi, Cosmina Bellou est avec nous aussi, Dishita est là, Morteza est là, Daria est là, Victoria Jacques est là, Maria Bethania est là aussi, Ice Cubes est avec nous, Liliana est là, Victoria Posse aussi, Daniel Ferrari est là, Yesero est avec nous, Yulia est ici, Curiosidades aussi, Widad est là, Sapna aussi, Maze est avec nous, Sundar, et puis bah, les autres commencent à se parler entre eux. I Just Called est avec nous, et Bickert est là aussi. Bon, écoutez, ça fait très 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 plaisir de vous retrouver. J'espère que vous êtes prêts. Ah, hier, c'était long, hein. Hier, on a eu un cours qui a fait 2 h 40 minutes. On va essayer de faire un tout petit peu plus court aujourd'hui, mais j'ai préparé encore une fois beaucoup de choses pour vous. Donc, je pense que ça devrait être assez sympathique. Et on va commencer avec la première rubrique. Allez, c'est le mot du jour et comme chaque fois maintenant, je vais vous demander un petit peu, dites-moi à votre avis, que veut dire ce mot? Un mixologiste ou une mixologiste? Donc ne regardez pas dans le dictionnaire, ne regardez pas sur Internet, essayez d'imaginer, comme ça c'est plus sympathique, c'est plus amusant. Alors, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Un mixologiste ou une mixologiste. Allez, on y va, j'attends vos propositions. Alors, regardons vos premières propositions. Alors, attendez, parce que ça discute un petit peu. Donc, Gracie Anthony qui nous dit un mélange de logique peut-être. Oui, pourquoi pas, ce serait sympathique. Alors, Cosmina Bellou qui dit c'est une personne qui combine et utilise deux ou plusieurs langues en même temps. Comme mon fils. Ah, mon fils, c'est ça. Mon fils, il ne cherche pas la complication. Il utilise deux langues en même temps et hop, allez-y. Yesero qui dit à mon avis quelqu'un qui est barman et qui mélange des boissons alcoolisées. Ah, on sent que Yesero, il a une idée très précise. Alors, ensuite, Bickert qui dit je pense que c'est peut-être un adjectif. Bah oui, mais il faudrait savoir ce que c'est. Maria Bethania qui dit aucune idée, ça c'est clair. Daniel Ferrari qui dit c'est quelqu'un qui fait de la musique, du mix de musique très cool. Eh ben ça c'est une bonne proposition. Victoria Jacques qui nous dit c'est un barman
Chic, très bien. Ice Cube, ce qu'il nous dit, c'est un mixologiste, c'est quelqu'un qui fait des mix. Ok. Dishita qui nous dit peut-être quelqu'un qui fait deux métiers différents. Ça aussi, c'est intéressant comme concept. Victoria Posse qui nous dit c'est quelqu'un qui mélange les choses. Eh ben oui, là, vous avez compris le concept aussi. Yossi qui dit une personne qui fait des mix ou des mélanges de couleurs. Pourquoi pas? Curiosidades peut être une personne qui étudie la mythologie ou l'écriture ancienne. Eh bien, peut-être. Julia qui nous dit quelqu'un qui connaît comment bien les mixer des choses comme de l'alcool, des salades ou les gens. Mixer les gens, c'est intéressant. Sapna, à mon avis, mixer beaucoup de choses. Et Bickert qui nous dit comme une personne est mauvaise. Non, Bickert, mais non. Allez, regardez. Eh bien, un mixologiste ou une mixologiste, eh bien, c'est un expert ou une experte en mixologie. C'est-à-dire un ou une expert ou experte dans l'âge, dans l'art, pardon, du mélange des boissons pour réaliser des cocktails. Alors, pour réaliser. Oui, Morteza. Je pense que je suis bloqué. Ah non, 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 Morteza, je ne bloque personne. En général, vous pouvez voir toutes les choses qui arrivent sur votre écran s'il y a des gens qui sont bloqués, mais là, je ne bloque personne, Morteza. Donc, c'est une personne qui, effectivement, comme Yessero l'avait dit, Victoria Jacques l'avait aussi confirmé, c'est quelqu'un qui mélange les boissons pour réaliser des cocktails. Alors, boissons alcoolisées ou pas, c'est vous qui voyez. Ma question, elle est simple. Aimez-vous les cocktails? Allez, une petite minute pour me répondre. Alors, Ice Cube, ce qu'il dit, est-ce que c'est du franglais? Oui, c'est un néologisme. Et souvenez-vous, les néologismes sont souvent des anglicismes. Alors, Victoria Jacques est très très rapide pour répondre à cette question. Et ce n'est pas une surprise puisqu'elle nous répond, eh bien, c'est ma personne préférée. Et je vous comprends, Victoria Jacques. Et le mixologiste ou la mixologiste est toujours, oh, j'avais laissé adolescent, est toujours quelqu'un de très très sympathique, effectivement. Alors ensuite, attendez, je vais modifier cette petite chose qui me dérange. Continuez à répondre et puis nous allons essayer d'avoir quelque chose qui ressemble, voilà, à une page un peu plus professionnelle. Victoria Posse qui nous dit oui, j'aime les cocktails sans alcool. Yossi qui nous dit tu es barman. Ah non, il demande à Yessero s'il est barman. Ice Cubes, oui, j'aime les cocktails, mais je préfère le vin ou le champagne comme d'habitude. C'est vrai que le champagne, c'est plus sympa et on n'a pas besoin de mettre quoi que ce soit avec. Hein. Maria Bethania, oui, mais avec un peu d'alcool. Curiosidades, j'aime les cocktails. Ce qui est drôle, c'est que de nombreux cocktails ont des noms étranges. Et c'est vrai, j'ai entendu des choses un peu vulgaire même. Bickert, oui, j'aime beaucoup de cocktails avec des fruits et spécialement pour moi, c'est parfait pour moi, très bien. Miguel qui nous dit, ah non, alors Miguel, oui, non, faites attention.
Miguel est arrivé en route et c'est pour ça. Faites attention, j'avais oublié d'enlever les mots d'hier. Cosmina Bellouche, je ne bois aucune boisson alcoolisée sauf le vin fait de ma famille avec des méthodes traditionnelles. Donc c'est de l'alcool. Cosmina Bellouche. Elsa, j'aime bien mélanger les jus de fruits pour avoir un cocktail, c'est très bon. Sundar, oui, j'aime bien, mais je n'essaie pas encore. Sapna, non, je ne bois pas de vin ni de cocktail. D'accord. Miguel, j'aime bien la bière. Morteza, je ne les ai pas encore essayées. Julia qui dit, comme une vraie adolescente, j'aime boire des cocktails de temps en temps. Mojito, par exemple, ou gin tonic. Attention, exemple avec un E. Je n'aime pas de cocktails qui sont très forts ou très sucrés. Dishita qui nous dit, je bois toujours de l'alcool avec un cocktail, c'est parfait. Daria, personnellement, je bois seulement du thé ou du café, pas d'alcool. Mais il y a des occasions spéciales quand je peux boire un verre de vin. Yessero, c'est un secret entre nous, mais oui. Ah, Yessero, il travaille dans ça. C'est pour ça. Ensuite, Sundar nous dit, en Inde, c'est strict de boire de l'alcool. Très bien. Hola My Life nous rejoint. Bonjour. Daniel Ferrari nous dit, j'aime essayer les cocktails quand je suis en vacances. À mon avis, ça complémente la visite touristique. Et Benito nous dit qu'il aime les cocktails. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Donc, vous avez découvert, eh bien, un nouveau mot ou deux nouveaux mots, le masculin et le féminin, mais on les écrit de la même façon. Alors, le saviez-vous? On y va. Le tunnel sous la Manche est un tunnel ferroviaire reliant le sud-est du Royaume-Uni et le nord de la France. Il est composé de deux tubes latéraux parcourus par des trains et d'un tube central de service plus petit. Il est long de 50,5 km, dont 38 sous la mer. C'est actuellement le tunnel ayant la section sous-marine la plus longue du monde. La ligne Eurostar part de Paris et arrive à Londres. Le trajet est d'une durée de 2 heures et demie. En 1997, l'American Society of Civil Engineers le désigne comme l'une des 7 merveilles du monde moderne. En 2013, la Fédération internationale des ingénieurs le désigne comme un projet majeur de génie civil des 100 dernières années. Alors, cette introduction était bien sûr pour vous présenter, pardon, la série du jour. Et la série du jour, eh bien, ça s'appelle Le Tunnel. Et c'est une série qui, alors, démarre dans le tunnel sous la Manche. Regardez, et on va voir ensemble trois éléments pour vous présenter cette série. Un cadavre est retrouvé sur la ligne frontière entre la France et le Royaume-Uni dans le tunnel sous la Manche. Un cadavre
est retrouvée sur la ligne frontière entre la France et le Royaume-Uni dans un tunnel ou dans le tunnel sous la Manche. Écrivez les mots qui manquent. Alors, nous étions à la recherche de trois éléments, comme d'habitude. La première chose, c'est retrouver. Donc, retrouver avec un accent aigu et pas de E après, puisque c'est le masculin. Cadavre est masculin. Ensuite, c'était frontière. Alors, frontière, je regarde. Et apparemment, vous l'écrivez bien. Donc, idéalement, vous mettez un accent grave sur le E qui est juste après le I. Et puis faites attention, Miguel, un E final, d'accord? Frontière avec un E final. Et puis ça, normalement, avec toute ma, avec ma longue présentation sur le tunnel, vous avez bien vu que tunnel, on l'écrit avec deux N. T-U-N-N-E-L. Et c'est masculin, mais bon, ça n'est pas vraiment important pour l'orthographe. Regardons maintenant le deuxième élément pour vous présenter cette série. Et franchement, c'est une très bonne série. Allez. Le corps semble être celui d'une députée française, mais on découvre qu'il s'agit de deux moitiés de cadavres. Le corps semble être celui d'une députée française, mais on découvre qu'il s'agit de deux moitiés de cadavres. Alors ici, nous avions trois éléments encore. La première chose, c'est un substantif et c'est corps. Un corps, on l'écrit C-O-R-P-S. Député. Alors ici, j'attendais le féminin. D'accord ? J'attendais le féminin parce que vous voyez que c'est une députée. Et l'adjectif après, c'est française. Donc c'est vraiment le féminin. Donc un député. E, accent aigu, une députée, E, accent aigu, E, marqué le féminin. Et puis le dernier mot, c'était alors cadavre, et on a deux cadavres, c'est-à-dire qu'on a effectivement deux moitiés de deux cadavres. Sundar, corps et cœur sont prononcés de la même façon. Pas du tout, Sundar. Le premier que vous avez écrit, corps, C-O-R-P-S, un corps, O-O-R, corps. Le deuxième, un cœur, E-E-E-E, un cœur, d'accord? Encore une fois, le premier, corps, et le deuxième, cœur. Donc la différence est assez claire, en tout cas, j'espère. Troisième élément pour la présentation de cette série. La Française, Élise Wasserman, et le Britannique, Karl Robeck,
doivent enquêter ensemble sur cette affaire. La Française Elise Wasserman et le Britannique Carl Roebuck doivent enquêter ensemble sur cette affaire. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors ici, trois éléments à trouver. La première chose, c'est le verbe « devoir » qu'on conjugue ici au pluriel, troisième personne du pluriel, « doivent », D-O-I-V-E-N-T. Ensuite, nous avons un verbe à l'infinitif et c'est le verbe « enquêter ». Alors regardez comment on l'écrit, hein, E-N-Q-U-E, idéalement, vous mettez l'accent circonflexe. Et puis TER. Donc c'est un verbe régulier du premier groupe. Et puis le dernier mot, c'était affaire. Ça, normalement, je regarde, pas de problème. Alors ici, pas de pluriel. Donc Morteza, ça n'est pas nécessaire de mettre le pluriel. Juste E à la fin. Donc A-F-F-A-I-R-E. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Regardez, nous allons lire ensemble les trois éléments de cette série. Et j'espère que vous allez lire avec moi. Premier élément, un cadavre est retrouvé sur la ligne frontière entre la France et le Royaume-Uni dans le tunnel sous la Manche. Deuxième élément. Le corps semble être celui d'une députée française, mais on découvre qu'il s'agit de deux moitiés de cadavres. Troisième élément. La Française, Elise Wasserman, et le Britannique, Carl Roebuck, doivent enquêter ensemble sur cette affaire. Si vous aimez bien les séries policières et que vous voulez avoir quelque chose d'assez intéressant, parce que ici c'est vraiment une série qui se passe entre la France et la Grande-Bretagne, avec toutes les différences culturelles, les chocs culturels entre les deux pays, regardez cette série, c'est vraiment, vraiment bien. C'est une série originale de Canal+. Donc, si ça vous intéresse, allez-y. Allez, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait notre rubrique « C'est comme ça qu'on parle ». « C'est comme ça qu'on parle », c'est le moment de découvrir et de travailler sur le français familier. C'est important de connaître le français familier, mais comme je dis à chaque fois, attention, attention pour l'utilisation, attention au contexte et attention aux personnes avec qui vous allez utiliser ces mots ou ces expressions. Soyez sûr de pouvoir les utiliser. Ensuite, alors regardez, on va en voir trois comme d'habitude. La première, eh bien, on en a parlé. C'est un cadavre. Alors un cadavre, normalement, c'est pour parler d'une personne qui est morte. Mais quand on utilise le mot cadavre en français familier, c'est tout simplement pour parler d'une bouteille d'alcool qui est vide. Vous avez une bouteille de vin ou n'importe quoi que vous avez consommé
Hein? L'idée, c'est que vous avez consommé cette bouteille, eh bien, la bouteille, vous allez l'appeler un cadavre. Un exemple, on a trop bu. Regarde tous les cadavres de bouteilles, si vous voulez, par terre. Oups, il n'y a pas de S à terre. Pourquoi j'ai mis un S? Encore une fois, voilà, correction directe. On a trop bu. Regarde tous les cadavres de bouteilles par terre. Allez, s'il vous plaît, écrivez-moi un petit exemple avec cadavre. Alors, c'est Alama qui commence et qui nous écrit: Pensez à trier vos cadavres. Après une fête, hein, probablement. Ensuite, Olama My Life qui est surpris parce que dit on dit cadavre pour quelqu'un qui est trop maigre. Oui. Ah, mais là, on parle d'une bouteille, là, on ne parle pas d'une personne. Hein. Ensuite, donc, Olama My Life nous dit l'exemple: Il y a beaucoup de cadavres. Avec un S dans cette cave. Donc, ça voudrait dire que les bouteilles ont été bues. Hein. Yesero, qui est un spécialiste, nous dit après le mariage, il y avait beaucoup de cadavres. Attention, Yesero, beaucoup de, un peu de, et pas de S. Hein. Pour le de, hein. Cadavre avec un S, oui. Bickert, il se promène un cadavre dans les rues le soir, c'est très terrible. Ah, il se promène avec! Oui, si vous voulez. Ou comme! C'est bizarre votre phrase, Bickert. Votre phrase est bizarre! Sundar, dans la fête, on a bu tous les alcools et tous les cadavres sont vides. Oui, avec un S. Benito, prenez les cadavres par terre. Oui. Ça fait bizarre comme phrase. Cosmina Bellou. Pour faire un cocktail Molotov, vous avez besoin d'un cadavre rempli avec de l'essence et de l'huile de moteur. Waouh! Ah ben là, on apprend des choses en plus, hein. Merci. Yulia, il faut que je débarrasse ces cadavres de mon appartement. Mes parents vont bientôt arriver. Sapna, je n'aime pas des personnes qui jettent les cadavres dans la rue, c'est vrai. Yossi, ils ont trop bu. Tous les cadavres ici sont à eux. Oui. Daniel Ferrari, aujourd'hui j'ai dû aller avec un chariot pour jeter les cadavres à la poubelle de verre. Waouh, un chariot! Vous avez fait la fête! Après mon anniversaire, nous dit Ice Cubes, il y avait beaucoup de cadavres. Et c'est normal. Alors regardons la deuxième chose que nous allons voir ensemble, et c'est un bouffon. Ou une bouffonne. Un bouffon ou une bouffonne, eh bien regardez, c'est tout simplement pour parler de quelqu'un que vous ne prenez pas au sérieux. Hein, vous considérez que cette personne n'est pas fiable, n'est pas sérieuse, vous allez l'appeler un bouffon ou une bouffonne. Exemple, on ne peut pas la prendre au sérieux. C'est une bouffonne. Vous pourriez dire c'est une vraie bouffonne. Tenez, encore une fois, j'ai oublié le F. Je ne sais pas ce que j'ai fait aujourd'hui. Allez, s'il vous plaît, écrivez-moi une phrase avec un bouffon ou une bouffonne. Merci.
Alors regardons ce que vous m'avez envoyé à Lama et le premier à nous dire, celui-là, il joue toujours au bouffon. Eh oui, c'est vrai. Hola my life, ce gardien est un grand bouffon. Ouais. Alors bien utilisation du grand bouffon. Alors le grand bouffon accentue le côté négatif, hein. On est d'accord. Yossi, tais-toi, tu n'es qu'un bouffon. Effectivement, est très bien utilisé avec l'impératif, hein. Tais-toi. Cosmina Bellou, qui est en ce moment le plus ou le bouffon le plus connu du monde. Tout le monde a la réponse. Tout le monde a la réponse. En ce moment, c'est vrai. Yesero, parfois j'ai l'impression que les hommes politiques sont des bouffons quand je regarde la télé. Yesero, pas de préposition et c'était parfait. Yulia qui nous dit, c'est pas grave que tu sois. Attention, il faudrait qu'on mette le subjonctif. Un peu bouffon, tu es joli au moins, tu es EST. Morteza, mes amis sont tous bouffons quand je parle avec eux sur un sujet important. Oh, à votre avis, ils ne sont pas intéressés par les sujets que vous apportez ? Sundar, quand je parle avec mes amis, ils sont toujours des bouffons. Oui, vous pouvez mettre des bouffons ou ils se comportent en bouffons. Hein. Après, on a des variations. Alors, regardons ensemble. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent envoyer quelque chose, mais nous continuons notre route. Ah, attention, ça arrive. Oh oui, Daniel Ferrari, ce matin j'étais pressé, j'ai laissé la porte de l'appart ouverte, féminin, je suis une bouffonne. Oui, et ça arrive à tout le monde. Ah, ouais, ça... Une fois, je suis parti en vacances, la porte était ouverte, mais ouverte. Ouais, c'est comme ça, hein. Heureusement que mes voisins sont sympathiques. Ice Cubes, je ne sais pas qui est le plus grand bouffon du monde. Joseph nous rejoint et Songcrod aussi, c'est bien. On continue avec la troisième chose et c'est une bafouille. Une bafouille, donc c'est un nom. Et une bafouille, eh bien c'est tout simplement une lettre. Vraiment une lettre dans le sens, une lettre traditionnelle, hein. Pas un SMS, pas un texto, c'est une lettre. Un exemple, si t'es vraiment amoureux d'elle, lui envoie pas un texto, écris-lui une bafouille. Donc là, vous remarquez, hein, si t'es, j'ai fait la contraction, hein, je n'ai pas mis si tu es, mais j'ai mis si t'es vraiment amoureux d'elle. Lui envoie pas, même chose, quand on parle, quand c'est du français qui est un petit peu familier, on retire le « ne ». Hein. On ne va pas dire « ne lui envoie pas », on retire le « ne » et on attaque directement « lui envoie pas ». Un texto, écris-lui une bafouille. S'il vous plaît, écrivez-moi une petite phrase avec « bafouille ».
Alors, ça commence à arriver. Joseph qui se demande comment on prononce bafouille. C'est ou, et après c'est y. Donc, bafouille. Victoria qui nous écrit. Victoria Posse, je suis très heureuse d'avoir reçu une bafouille de mon ami. Oui, Alama qui nous dit, si c'est difficile, on peut toujours envoyer des bafouilles en ligne grâce à la poste. Sundar, quand j'étais petite, ma mère a écrit une bafouille, oui, à la main, à mon père. Daniel Ferrari, si tu veux annuler ton abonnement mobile, il te faut envoyer une bafouille pour enregistrer ta demande. Attention, ta demande, TA. Hein, c'est le possessif. Oui, alors attention, Daniel Ferrari, une bafouille avec accusé de réception. Yesero, j'envoie une bafouille à ma patronne en lui disant que je démissionne. Hola my life, j'ai envoyé une bafouille féminin à l'hôte et j'attends sa réponse. Est-ce que c'est l'hôte ou l'hôtel? Yossi, j'ai reçu une bafouille de mon ami disant qu'il n'arrive pas à l'entreprise. Aujourd'hui, peut-être. Cosmina Bellou, jusqu'au jour quand elle reçoit la bafouille, l'amour s'en va. Morteza, nous sommes dans une période moderne car on peut envoyer un message tranquillement avec un GSM au lieu d'écrire une bafouille. Oui, mais Morteza, si vous êtes en France, il y a quelques petites choses que vous ne pourrez pas faire officiellement si vous n'envoyez pas de bafouille. Comme Daniel nous l'a dit, pour les téléphones, pour toutes les résiliations, en général, il faut envoyer encore des bafouilles. Ice Cubes, y a-t-il quelqu'un d'amoureux qui utilise encore une bafouille en 2020? Ma réponse est oui. Victoria Jacques, je voudrais une bafouille. Julia, une petite bafouille, c'est mieux qu'une grande bagouze. C'est possible. Sapna, dans les temps anciens, les gens ont partagé des bafouilles à l'aide des oiseaux. Vous connaissez? Ben oui, Sapna. Comme j'avais présenté dans une émission, dans un cours que nous avons eu, l'armée française a toujours des pigeons voyageurs. Si il y a des problèmes de communication, on envoie les oiseaux. Songcrod, j'ai reçu une bafouille de la banque ce matin qui m'a envoyé ma carte bleue. Bah oui, par exemple. Bickert, quand j'étais jeune, j'écrivais une bafouille à mon mari il y a des années, avant de se marier. Oui. MNM19, je garde toutes les bafouilles et les cartes postales de mes amis. Et ça, c'est sympathique. Vous avez raison, MNM19. Et c'est le vin du jour. Youpi youpi! Alors, nous partons dans le sud de la France, en Provence. Et si vous allez en Provence assez facilement, vous pourrez goûter ou déguster du vin rosé. Et là, nous allons voir le Château Cavalier, Grand Cavalier 2019. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez le trouver, il est assez raisonnable, il n'est pas très cher, donc ça doit être intéressant. Et regardons ensemble trois éléments de présentation de ce vin. Sa robe rubis offre un nez ouvert sur des notes de prune à l'eau-de-vie et de poivre. Sa robe rubis offre un nez ouvert sur des notes de prune à l'eau de vie et de poivre. Écrivez les mots qui manquent. Thank you.
Alors là, trois éléments. La première chose, c'était le verbe offrir. Et comme on a déjà vu, le verbe offrir, même si il finit en ir, ça n'est pas un verbe du deuxième groupe, mais c'est un verbe du troisième groupe. Donc, j'offre, tu offres, il offre, nous offrons, vous offrez, ils offrent. Ici, troisième personne du singulier, offre. Ensuite, on avait note, et donc ici c'est le pluriel. Je crois que tout le monde l'a bien écrit. Attention, Bickert, pas d'accent. Ok, donc note avec un S à la fin. Et puis, effectivement, encore une fois, le mot poivre, hein, Poivre. Nous continuons avec le deuxième élément pour la description de ce vin rosé. En bouche, il présente une attaque ronde et gourmande sur les fruits exotiques et les épices douces. En bouche, il présente une attaque ronde et gourmande sur les fruits exotiques et les épices douces. Écrivez les mots qui manquent. Alors, je crois que c'est Cosmina Bellouf qui était en première position. Regardez, regardez. Donc, trois éléments. La première chose, c'est un substantif et c'est bouche. Alors, bouche, c'est féminin. Bon, c'est juste pour votre information. On l'écrit Bouche. Là, il n'y a pas vraiment de problème. L'autre chose, eh bien, c'était un adjectif. Et c'est l'adjectif gourmande. Donc là, on doit mettre le féminin parce que c'est l'adjectif qui est lié à attaque. Une attaque gourmande. Si c'était masculin, ce serait gourmand, A-N-D. Là, c'est féminin, gourmande, A-N-D-E. Et puis on continue avec un adjectif exotique. Ça, c'est assez facile à écrire, mais attention, attention, regardez, exotique est clairement lié au mot les fruits. D'accord? Et donc comme les fruits, c'est pluriel, exotique doit être au pluriel avec un S à la fin. Attention, Morteza, S à la fin, Meronteca, S à la fin, Ice Cubes, S, I Just Called, S aussi, Julia, S, Berilla, S, Irène, S, Yossi, S. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez tous boycotté le S, MNM19, exotique, Q-U-E-S et Sapna, s'il vous plaît, un S aussi. Allez, le troisième élément. Il vous offre une finale savoureuse et corsée. C'est un très beau rosé pour vos repas d'été. Il vous offre une finale savoureuse et corsée. C'est un très beau rosé pour vos repas d'été. Thank you.
Et comme d'habitude, c'est Cosmina Bellou qui est en première position. Malheureusement, attention, attention, au deuxième mot. Votre adjectif, Cosmina, est un petit peu olé-olé. Alors, regardons encore une fois offre, et ça, normalement, c'est pour tester. Et là, je veux que tout soit clair. Il y a quelques petites erreurs quand même. Donc, on va continuer avec offre. Savoureuse. Donc savoureuse est clairement liée à finale. Une finale, c'est féminin. Donc votre adjectif doit être aussi au féminin. L'adjectif au masculin, c'est savoureux, EUX. Si c'est au féminin, ça doit être EUSE. D'accord? Et puis, la dernière chose, eh bien, c'était un substantif et c'est repas. Alors, ici, c'est le pluriel, mais si c'est au singulier, en tout cas, pour connaître le genre, c'est masculin, un repas. REPAS. Très bien. Regardons ensemble, si vous voulez, et si vous êtes courageux, on va faire comme Joseph nous avait dit, on ferme la fenêtre. On ferme la porte et on lit tous ensemble à voix haute. Allez, numéro 1. Avec sa robe saumon corail, ce vin vous offre un nez ouvert, épicé sur des notes de fruits exotiques. Deuxième chose. En bouche, il présente une attaque ronde et gourmande sur les fruits exotiques et les épices douces. Troisième élément, il vous offre une finale savoureuse et corsée. C'est un très beau rosé pour vos repas d'été. Alors, la question du jour, la voici. Vous partez sur une île déserte, vous pouvez prendre trois choses avec vous. Que prenez-vous? C'est simple, c'est classique. Dites-moi ce que vous prendriez avec vous si vous partiez sur une île déserte. Alors, c'est Yossi qui en premier nous répond. Je prends avec moi ma femme. Yossi, c'est pas une chose, votre femme. Alors, ma femme, mais ça n'est pas une chose. Les repas et un manuel de français. Victoria Jacques qui nous dit du vin. Quelle surprise! Une marmite à cuisiner et une couverture. Rajni qui nous dit de l'eau. Mon portable et mon repas. Très bien, tout le monde veut bien manger, là, j'ai l'impression.
Miguel, j'aurai de l'eau, de la nourriture et une radio satellite. Très bien. Julia, si je pars sur une île déserte, je vais prendre une couverture, un amant et de l'eau. Un amant, c'est la même chose. C'est pas comme une femme. C'est pas un objet ou une chose. Alors, MNM19, un bateau, un hélicoptère et mon rouge à lèvres. Ça, c'est très intelligent, le bateau et l'hélicoptère. Hein, mais bon. Alors, Daniel Ferrari, une tente de camping, un matelas et une canne à pêche. Eh oui, ça, c'est intelligent, la canne à pêche. Oui, Dad, de l'eau, de la nourriture et un insecticide. Est-ce que vous êtes comme moi, Widad? Vous attirez les insectes. Ah, moi, les insectes m'adorent. Cosmina Bellou, je prends mon fils, ben, c'est pas une chose, votre fils, hein, une chaloupe et ma brosse à dents, très bien. Bickert, je prends du feu, de l'eau et mon mari, tout le monde, parce que mon mari est vraiment un survivant. Ah, donc vous le prenez parce que comme ça, il pourra vous nourrir finalement, ou en tout cas attraper des choses à manger. Sundar, je prends les repas, mon portable et mes amis. Tout le monde veut prendre des gens, hein. J'avais demandé des choses, c'est incroyable. Joseph, mon portable, le repas et une veste. Eh ben voilà, parce que Joseph est chic. Dans toutes circonstances, félicitations Joseph. Meron, de l'eau, de la nourriture et une Bible, d'accord? Morteza, je prends mon GSM, un parasol. Est-ce que je peux prendre ma copine aussi? Oh bah là, tout le monde a pris des gens. Donc vous pouvez prendre une copine si vous voulez, ou votre copine. Mise qui nous dit du repas, de l'eau et une couverture. Songkrot qui nous dit, si je partais sur une île déserte, je prendrais de la crème solaire, des lunettes de soleil et une bouteille d'Evian. Et on connaît le prix maintenant, hein? Souvenez-vous. I just called, je prendrais une tente, de l'eau et mon portable. Victoria Posse, je prends toutes les vidéos de Vincent. Oh, c'est tellement gentil. Merci, merci. Mais il faut manger aussi, Victoria. Donc il faut prendre à manger et il faut prendre aussi à boire. Hein. C'est important. Il faut s'hydrater. Yesero, je prends des romans de français, des vêtements et de l'eau. Sapna, si j'ai la chance d'aller dans une île, je prends beaucoup de repas, donc beaucoup à manger, une caméra, mes parents. Tout le monde veut prendre des gens. Hein. Si vous voulez, Ice Cubes, une caméra, un avion avec un beau pilote et du champagne. Une caisse peut-être de champagne. Bon, bah écoutez, bah merci beaucoup en tout cas. Alors, la douceur du jour, et là, vous allez revoir, c'est vraiment impressionnant. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de goûter à cette pâtisserie qui s'appelle un opéra, mais c'est un véritable délice. Donc, si vous ne connaissez pas cette petite délicatesse, je vais me faire un plaisir de vous présenter en trois éléments, comme d'habitude. Première chose, l'opéra est une pâtisserie française constituée d'une succession de biscuits Joconde, de ganaches au chocolat et de crème au café. L'opéra est une pâtisserie française constituée d'une succession de biscuits Joconde, de ganache au chocolat et de crème au café.
Alors, nous étions à la recherche de trois éléments. La première chose, c'était constituer. N'oublions pas que c'est une pâtisserie. Et donc, comme c'est féminin, constituer doit être au féminin avec un E à la fin. Je regarde, la majorité d'entre vous l'a bien écrit. Donc, n'oubliez pas, pâtisserie féminin, donc constituer au féminin. L'autre chose, c'était une succession de biscuits. Donc, une succession, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Et donc, logiquement, biscuit doit être au pluriel, avec un S, puisque vous en avez plusieurs. Et la dernière chose, c'était le substantif, et c'est chocolat. Ça, en général, vous l'écrivez bien. Attention, mise paparazzi. Pas d'accent, enfin pas de E accent aigu à la fin. Chocolat à T. D'accord? Pour les autres, je pense que c'est bon. Fatima, attention. Fatima, chocolat à T aussi. Hein? Donc pas de E à la fin. Deuxième élément pour vous présenter l'opéra. La maison d'Aloyau affirme que l'opéra a été créé en 1955 par Cyriaque Gavillon. La maison d'Aloyau affirme que l'opéra a été créé en 1955 par Cyriaque Gavillon. Alors ici, trois éléments. Le premier, c'est maison. Donc nous sommes d'accord que ça, en général, vous l'écrivez bien. Deuxième élément, alors là, c'est intéressant parce que là, on utilise l'opéra. C'est-à-dire que on n'utilise plus la pâtisserie, mais on utilise l'opéra. Et donc l'opéra, un opéra, c'est masculin. Donc créer doit être au masculin. Et donc ici, souvenez-vous, c'est ce qu'on appelle un passif. C'est un passif passé composé. Donc, créer, vous allez l'écrire C, R, E accent aigu et E accent aigu, c'est tout. Pas de féminin. Si on avait une pâtisserie à la place, hein, la pâtisserie a été créée. Là, vous pourriez mettre le féminin C, R, E accent aigu, E accent aigu, E. Mais ici, on utilise le mot, le nom de cette pâtisserie, et c'est l'opéra, donc c'est masculin, un opéra. L'année, c'était 1955. Je regarde, je regarde. Waouh, c'est clair pour tout le monde. Oh, c'est incroyable, incroyable, incroyable. Donc très très bien, félicitations, 1955, c'est parfait. Joseph qui dit, est-ce que c'est possible d'avoir deux et? Oui, Joseph, c'est assez rare, il n'y a pas beaucoup de verbes ou de mots qui proposent ça, mais le verbe créer, c'est le bon exemple. Et Joseph, quand vous avez la forme, hein, comme j'ai expliqué, la forme au féminin, c'est-à-dire le participe passé créé au féminin, vous allez écrire C. R, E accent aigu, E accent aigu et encore un E. Donc vous avez trois E à la suite. C'est très rare, mais c'est possible. Regardons le troisième élément pour présenter cette pâtisserie incroyable. Ah, quand je la regarde, j'ai envie de la manger. Allez. Il aurait été nommé ainsi en hommage aux danseuses de l'opéra qui venaient à la boutique. Il aurait été nommé ainsi
en hommage aux danseuses de l'opéra qui venaient à la boutique. Alors, avant de regarder ce que vous allez mettre, Julia pose la question, pourquoi ce n'est pas créé? Parce que le verbe, Julia, l'infinitif, c'est créer. C'est-à-dire l'infinitif, vous écrivez C-R-E, accent aigu, E-R. Et donc, le E-R final, pour le participe passé, se transforme en E. Donc ça veut dire que la forme basique, la forme masculine, c'est C, R, E accent aigu, E accent aigu. Et ensuite, si vous mettez la forme féminine, c'est C, R, E accent aigu, E accent aigu, E. Donc pour le masculin, deux E accentués, pour le féminin, deux E accentés plus un E, ça fait trois E. Voilà. Regardons ensuite ici. Nommer. Eh bien écoutez, là c'est la même chose. Vous voyez que le sujet c'est il. Et donc c'est toujours les mêmes choses. Ici on utilise le passif. Hein, on est d'accord? C'est-à-dire que il aurait été le passif conditionnel passé. Parce qu'on n'est pas sûr, parce que ça n'est pas certain que c'est vraiment l'origine du nom. En tout cas, nommé, vous l'écrivez E accent aigu et pas de féminin ici. Ensuite, danseuse, eh bien écoutez, vous voyez qu'on a le pluriel, AUX, donc il y en a plusieurs, et donc danseuse, vous allez l'écrire ES à la fin. Et puis la dernière chose, c'était un substantif et c'était boutique. Hein, donc boutique, BOU. TIQUE. Voilà, une boutique. Je vous propose, si vous voulez bien, de lire avec moi les trois éléments de présentation de cette pâtisserie incroyablement délicieuse. Première chose, l'opéra est une pâtisserie française constituée d'une succession de biscuits jocondes, de ganache au chocolat et de crème au café. Deuxième chose. La maison Daloyau affirme que l'opéra a été créé en 1955 par Cyriaque Gavillon. Troisième chose. Il aurait été nommé ainsi en hommage aux danseuses de l'opéra qui venaient à la boutique. Alors, comme chaque jour, vous le savez, nous découvrons un verbe, mais plus précisément, nous découvrons la conjugaison de ce verbe. Aujourd'hui, un verbe qui est très beau et très important, c'est le verbe vivre. Malheureusement, il n'est pas régulier. Alors, comme d'habitude, nous allons découvrir les trois modes indicatif, conditionnel et subjonctif. Et pour tous ces modes, je vous demanderai uniquement la première personne du singulier, je. On attaque bien sûr avec le présent. S'il vous plaît, comment conjuguez-vous le verbe vivre au présent? Thank you.
Alors, très bien, regardons ensemble et je pense que, enfin, d'après ce que je vois, oui, tout est correct ici. Hein. VIS, nous sommes d'accord, je vis, hein, on ne prononce pas le S final. Ensuite, s'il vous plaît, futur simple, toujours la même personne, on y va. Alors, je vois vos formes qui sont déjà là. Je vais appuyer sur le petit bouton et comme ça, vous allez voir que c'est la même chose. Félicitations. Donc, effectivement, hein, donc le E doit disparaître pour obtenir notre radical. Et après, vous allez juste ajouter la terminaison AI. Je vivrai. Très bien. On continue comme d'habitude avec le passé composé, s'il vous plaît. Alors effectivement, je regarde ce que vous m'écrivez. La première chose qui est importante, c'est que vivre finalement, comme la majorité des verbes, va utiliser l'auxiliaire avoir. Donc, nous conjuguons avoir au présent, j'ai. Et puis, le participe passé de vivre, il est un petit peu olé olé parce que c'est vécu. Attention, V, E, accent aigu, C, U. D'accord? Donc, V, E, accent aigu, C, U. J'ai vécu. Allez, on continue avec l'imparfait, s'il vous plaît. Alors, je vois que vous m'écrivez ça très correctement. Oui, c'est je vivais. D'accord? Donc, notre radical ici, c'est VIV. Je vivais, tu vivais, il vivait, elle vivait, nous vivions, vous viviez, il vivait, elle vivait. Très bien. S'il vous plaît, le deuxième temps composé, et c'est le plus que parfait.
Alors, nous sommes d'accord, deuxième temps composé que nous voyons, et donc maintenant nous savons que nous utilisons l'auxiliaire avoir, et donc on va le mettre à l'imparfait. J'avais, d'accord, et puis notre participe passé qui est un petit peu complexe, mais maintenant vous l'écrivez très très bien avec l'accent, merci, vécu, VE, accent aigu, CU. Très bien, j'avais vécu. Nous continuons avec le troisième temps composé, le futur antérieur. Alors, faites très très attention, parce que l'erreur classique, effectivement, c'est de confondre le futur antérieur et le conditionnel passé. Donc, ici, encore une fois, on utilise avoir au futur simple. Donc, aurait, a, eu, r, a, i. Pas de s. C'est le futur simple. J'aurais. Et puis, notre participe passé, vécu. J'aurais vécu. Attention, sans S. Donc, Sundar, petite erreur. MNM aussi. Je ne sais plus qui d'autre avait fait l'erreur. Donc, n'oubliez pas, vraiment pas de S. Et puis, Yossi a déjà anticipé parce que Yossi adore le passé simple. Le passé simple, s'il vous plaît, du verbe vivre, première personne. Alors le passé simple, encore une fois, ne vous stressez pas si vous ne le connaissez pas, vous n'allez jamais l'utiliser. Vous allez probablement le lire parfois, rarement, mais c'est comme ça. Donc la forme du verbe vivre au passé simple, eh bien c'est je vécu. Je vécu, tu vécu, il vécu, nous vécûmes, vous vécurent, vous vécûtes, ils vécurent. Donc c'est vraiment des formes qui sont, même pour les Français, c'est pas agréable à prononcer. Donc on les utilise vraiment très très rarement. Mais la forme correcte, eh bien c'est je vécu. Donc si vous voyez cette forme-là, eh bien vous faites la connexion avec le verbe vivre. En général, c'est pas très difficile parce que ça ressemble au participe passé hein, qu'on a vu. Donc, vous pouvez quand même plus ou moins l'identifier. Vous n'allez jamais utiliser le passé simple, je vous rassure, mais vous devez l'identifier parfois dans certains documents. Allez, on attaque avec le conditionnel présent. Cosmina Bellou a déjà mis. Ah, c'est ça l'enthousiasme. Allez, on y va.
Alors là, effectivement, bah finalement, c'est la même modification de radical que pour le futur simple. Donc, pour le futur simple, on avait vu que c'était VIVR, d'accord? Et puis après, votre terminaison, c'est maintenant AIS pour le conditionnel présent. Je vivrai. D'accord? Donc ici, je regarde et franchement, tout va très très bien. Félicitations. On continue avec un temps composé, le conditionnel passé. Alors là, c'est toujours la même chose, hein. C'est un temps composé, donc nous utilisons avoir, nous allons l'utiliser au conditionnel présent. J'aurai AIS, hein. On n'oublie pas le S parce que là, il est important. Et puis, on va utiliser notre participe passé, c'est vécu. J'aurai vécu. Bah écoutez, c'est formidable ce que vous écrivez, franchement, c'est vraiment, vraiment bien. Allez, le sprint final, subjonctif présent. Alors, je vois que c'est toujours un petit peu plus timide, hein, pour certains temps. Ici, effectivement, la forme, c'est que je vive. Hein. Vive, donc V-I-V-E. Et là, c'est très très bien. Donc, ce que je vois, c'est bien. Donc, que je vive, que tu vives, qu'il, elle vive, que nous vivions, que vous viviez, qu'il, elle vive. D'accord? Donc ça, c'est le subjonctif présent. Et allez, on va finir avec le dernier. C'est le subjonctif passé. C'est un temps composé. C'est le dernier temps composé de notre liste. Alors, effectivement, là encore une fois, c'est un temps composé, donc nous utilisons toujours avoir. Avoir doit être au subjonctif présent. J'ai, A-I-E. D'accord? Et puis, on utilise notre participe passé vécu. Que j'ai vécu. Eh bien voilà, félicitations. Sérieusement, vous devenez des vraies, vraies machines de guerre pour la conjugaison et c'est vraiment, vraiment sympathique. «
Allez, comme chaque jour, nous parlons d'un parfum, le parfum du jour. Et le parfum du jour, aujourd'hui, s'appelle Rose Absolue. Et Rose Absolue, c'est un parfum d'une personne, je ne sais pas si vous la connaissez, elle s'appelle Annick Goutal. Alors, comme d'habitude, si vous voulez bien, je vais vous présenter ce parfum, eh bien, en trois éléments. Et bien sûr, vous aurez quelques petits mots à trouver. On va attaquer avec la première chose. Fermez les yeux et imaginez un jardin fleuri débordant des plus belles fleurs. Fermez les yeux et imaginez un jardin fleuri débordant des plus belles fleurs. Alors regardez, parce qu'ici, effectivement, trois éléments à trouver. L'idée, un petit peu, c'est d'inviter les gens à faire quelque chose. Donc, on a tendance quand même à utiliser l'impératif. Donc, fermer, on ne va pas utiliser l'infinitif, comme certaines personnes ont pensé faire, mais on va utiliser l'impératif. Et donc, la forme de fermer à l'impératif, c'est EZ. D'accord? Même chose pour le verbe suivant qui est le verbe imaginer. Hein? Imaginer, on va le mettre à l'impératif EZ. Donc fermer EZ, imaginer EZ. Et puis ensuite, débordant, ici c'est clairement connecté à jardin, donc c'est la forme masculine. Si vous avez un accent sur votre clavier, il y a un accent sur le premier, enfin sur le premier, sur le seul E de ce mot, donc juste après le D. D, E accent aigu, BORDANT. Regardons le deuxième élément de présentation de ce parfum. C'est exactement la senteur évoquée par l'eau de parfum pour femme Annick Goutal Rose Absolue. C'est exactement la senteur évoquée par l'eau de parfum pour femme Annick Goutal Rose Absolue. Alors, trois éléments ici. Bah, la première chose, c'est un adverbe, c'est exactement, et là je regarde, et c'est très bien écrit, hein. Donc, exactement, adverbe de manière, la construction en général, c'est l'adjectif masculin, exact, qui finit avec un T. Vous mettez le féminin, exact, T-E, et puis vous ajoutez le ment, exactement. Vous obtenez l'adverbe.
La deuxième chose, c'était un substantif, senteur. Faites attention, Miss Paparazzi, c'est senteur. Faites attention à Ice Cube, vous l'avez écrit avec un E. Attention, Yesero, ouais. Attention, Sapna aussi, hein, donc c'est vraiment senteur comme ça. Et puis, parfum, bah écoutez, parfum, en général, tout le monde l'écrit bien, presque tout le monde, Meronteka, attention, parfum, c'est avec un A, d'accord? A. Allez, on continue avec la dernière chose. Ce parfum vous éblouira au quotidien par la richesse de ses notes florales. Ce parfum vous éblouira au quotidien par la richesse de ses notes florales. Alors, Sapna dit la senteur, la senteuse. Non, parce que Sapna, si vous réfléchissez, on dit la senteur comme on dit une odeur. Hein. Une odeur, c'est féminin aussi. C'est le genre, tout simplement, de ces mots-là. Hein. Faites attention, Sapna, parce que il y a des mots en heur, la hauteur, la grandeur, la longueur, la hauteur. Faites attention, tous ces mots-là sont féminins. Alors la première chose, c'est un verbe. C'est un verbe qu'on n'utilise pas très souvent, mais c'est le verbe éblouir. Éblouir, être impressionné, être ébloui, être positivement surpris. Voilà. Alors le verbe éblouir, ben, quand on le met au futur, c'est éblouira. Hein? Donc ce parfum vous éblouira, vous enchantera, si vous préférez aussi. La deuxième chose, c'était un substantif, la richesse. Alors là, normalement, c'est pas problématique. Je regarde vos formes. Oui, non, c'est bien, c'est bien écrit. Attention, Joseph, richesse, hein, E-S-S-E. Meronteka aussi, attention. Les autres, je pense que c'est bon. Oui, pas de problème. Attention, Miss Paparazzi, richesse avec un E à la fin. Okay. Et puis l'adjectif floral, ici on doit mettre le féminin pluriel. D'accord? Donc L, E pour le féminin et puis S pour le pluriel. Pourquoi? Ben parce que c'est directement lié au mot note et note c'est féminin. Une note. D'accord? Donc une note florale. L, E. Des notes florales, L-E-S. Voilà. S'il vous plaît, faites la lecture avec moi de ces trois petites choses, s'il vous plaît. Parce que, attendez, je vais calmer ce monsieur pour qu'il puisse se relaxer un petit peu. Alors, première chose, fermez les yeux et imaginez un jardin fleuri débordant des plus belles fleurs. Deuxième élément. C'est exactement la senteur évoquée par l'eau de parfum pour femme, Annick Goutal, rose absolue. Troisième élément. Ce parfum vous éblouira au quotidien par la richesse de ses notes florales. Allez, comme chaque jour, il y a une photo, c'est la photo du jour. Et regardez, c'est cette photo que j'ai trouvée vraiment, vraiment très, très intéressante.
et assez belle finalement, regardez. S'il vous plaît, prenez une petite minute pour m'écrire une phrase pour me décrire cette photo. Alors, je commence à regarder vos phrases. Dessarlika qui nous dit, le petit enfant, attention, F-A-N-T, joue avec le ballon. Sankrot qui nous dit, c'est une gamine qui a un très beau sourire. I-R-E. Ice Cube, c'est une photo d'une petite fille qui joue avec l'eau. Oui. MNM19, une jolie fille joue avec un ballon d'eau. Elle a un sourire rayonnant. Attention, A-N-T. Et c'est vrai. Moi, je le trouve formidable, son sourire. Yesero, je vois une petite fille heureuse qui écrase une éponge avec joie. Ouais. Upasana, elle vit son enfance, l'air contente, le sourire explique tout. Ça, c'est vrai. TOUT, Upasana. Joseph, une petite fille vivant la vie pauvre mais heureuse. Widad, une jolie fille qui joue avec de l'eau, elle a un beau sourire. Curiosidades, l'image représente le bonheur et l'innocence d'une fille. Cette photo nous invite à profiter des petites choses de la vie. Et ça, c'est vrai. Rajni, pardon, une jolie fille indienne rit en écrasant un ballon d'eau. Sundar, je vois une fille qui est népalaise ou indienne et qui a joué avec l'eau et a un joli sourire. Très bien. Alors, The Reformers qui dit, je vois ma sœur. Vois VOIS. Attention. I just called. Il y a une petite fille qui joue avec de l'eau, car il fait chaud peut-être. Yossi, la belle fille souriante, tient le ballon dans sa main. Elle appuie sur le ballon et l'eau sort au dehors. Très bien écrit aussi. CRB, le bonheur. Et la bonne petite enfant jolie, elle est très contente. Berilla 71, la fille serre un ballon jaune qui fait gicler l'eau. Très bien écrit. Victoria Possé, une fille très heureuse, regarde avec un simple ballon et de l'eau, oui. C'est vrai. Julia, c'est possible d'être heureux sans richesse, mais juste avec une jeune poule jaune. Hein, vous croyez que c'est une poule? D'accord. Sapna, une jolie fille avec un ballon et son sourire est magnifique. Bickert, je vois une fille mignonne. Elle joue avec un ballon jaune, elle porte une robe rose, elle semble très heureuse. Dans le masculin jardin, il y a des berceaux blancs et des arbres, des sauts, oui. Morteza, la photo nous montre qu'on ne doit pas chercher la bonne vie, mais il faut vivre bien comme les enfants. La voie de la raison.
Alors, c'est la bande dessinée du jour et aujourd'hui, je vous présente les carnets de cerises. Alors, comme d'habitude, on va découvrir ça en trois éléments. Et on attaque tout de suite avec le premier. Cerise est une petite fille âgée de 11 ans qui vit seule avec sa mère. Elle rêve de devenir romancière. Cerise est une petite fille âgée de 11 ans qui vit seule avec sa mère. Elle rêve de devenir romancière. Écrivez les mots qui manquent. Alors, trois éléments. La première chose, c'était âgé. Nous sommes d'accord que âgé est directement lié à petite fille. Donc, il doit être au féminin. Si vous avez un accent circonflexe sur le A, ce serait formidable. Si vous ne l'avez pas, c'est pas très, très grave. Ensuite, c'était le verbe vivre, hein. Et donc, ici, c'est la troisième personne du singulier. Elle vit. VIT. Hein, nous avons vu le verbe vivre aujourd'hui quand nous avons fait la conjugaison. Et puis la dernière chose, c'était romancière. Et donc là encore, puisque nous parlons d'une petite fille, on doit tout mettre au féminin. Donc elle veut devenir romancière. IE, accent grave, RE. D'accord? Donc le féminin. Deuxième élément concernant cette histoire et ce livre, les carnets de cerises. Son sujet favori, les gens, et plus particulièrement les adultes. Elle adore les observer pour tenter de deviner leurs secrets. Son sujet favori, les gens, et plus particulièrement les adultes. Elle adore les observer pour tenter de deviner leurs secrets. Alors ici, nous étions à la recherche de trois éléments. La première chose, c'est les gens. Et souvenez-vous, les gens, on écrit ça avec un G, G-E-N-S. On ne prononce pas le S final, bien sûr, mais on doit le noter. Deuxième chose, eh bien, c'était un pronom complément d'objet direct. Les, juste devant votre verbe. Observez. Souvenez-vous, en français, les pronoms vont toujours venir avant les verbes, si nous parlons des pronoms compléments d'objet direct ou les pronoms compléments d'objet indirect, par exemple. Donc ici, les, c'est-à-dire elle adore observer les adultes. On remplace les adultes par le pronom et donc on doit mettre avant observer. La dernière chose, c'était un infinitif et c'est le verbe deviner. Je regarde,
C'est vraiment bien écrit. Attention, I just called, c'était deviner. Nenenene, le N manque. Sundar, ça n'est pas devenir. Miss Paparazzi, c'est pas devenir, mais c'est deviner. D'accord? Allez, on regarde le troisième élément de présentation. Comme Michel, ce vieil homme qui s'engouffre dans la forêt avec de gros pots de peinture à la main. Qu'y fait-il donc toute la journée? Comme Michel, ce vieil homme qui s'engouffre dans la forêt avec de gros pots de peinture à la main, qu'y fait-il donc toute la journée? Alors regardons ici trois éléments. Le premier élément, c'est un adjectif et c'est la deuxième forme masculine de vieux. Hein. Vieux, c'est le masculin, mais souvenez-vous que quand nous avons des mots qui commencent avec le son d'une voyelle, nous allons écrire vieille, comme vous le voyez à l'écran, V-I-E-I. Elle, vieille. Donc c'est la forme masculine pour les mots qui commencent par le son d'une voyelle. Donc une voyelle ou H. Ensuite, le deuxième élément, c'était un substantif et c'est pot. Faites attention, certaines personnes ont écrit pont. Ici, c'est vraiment pot. Un pot de peinture. Alors ici, on l'utilise au pluriel et au pluriel, vous devez mettre un S à la fin. Donc vous l'écrivez POTS. Et la dernière chose, en fait, c'était toutes. Alors souvenez-vous ici, hein, toutes, on doit mettre le féminin parce que c'est directement connecté à la journée. D'accord? Toute la journée. Ice Cube se demande qu'est-ce que veut dire s'engouffrer. S'engouffrer, c'est quand vous rentrez dans une forêt, par exemple, mais on a l'impression que la forêt est presque impossible à pénétrer. Donc vous rentrez dans la forêt et on a le sentiment qu'après vous disparaissez très rapidement de notre vue. Ça, c'est le verbe s'engouffrer. Alors, regardons ensemble les trois éléments. Alors, la première chose, et on va lire ensemble, s'il vous plaît. Cerise est une petite fille âgée de 11 ans qui vit seule avec sa mère. Elle rêve de devenir romancière. Deuxième élément. Son sujet favori, les gens, et plus particulièrement les adultes. Elle adore les observer pour tenter de deviner leurs secrets. Troisième élément. Comme Michel, ce vieil homme qui s'engouffre dans la forêt avec de gros pots de peinture à la main. Qu'y fait-il donc toute la journée?
Allez, la citation du jour est aujourd'hui, regardez, regardez, elle est un petit peu plus longue que d'habitude. Et la citation, c'est une citation d'Hélène Keller, qui était une artiste écrivaine, et qui nous dit: les plus belles choses du monde ne peuvent être vues ou même touchées. Elles sont ressenties avec le cœur. Il y a le même concept aussi dans Le Petit Prince, si vous connaissez un petit peu. Donc, les plus belles choses du monde ne peuvent être vues ou même touchées. Elles sont ressenties avec le cœur. Et bien sûr, je vous demande votre opinion. Que pensez-vous de cette citation? Alors, regardons ce que vous écrivez. Miss Paparazzi nous dit qu'elle pense. Je pense que c'est l'imagination. Irène nous dit: waouh, c'est magnifique. Ice Cube nous dit: c'est vrai, dit le petit prince. Ah oui, c'était dedans, hein. C'était dedans. Curiosidades qui dit: je pense que c'est vrai, puisque les sentiments, les connaissances et les bons souvenirs sont des choses que personne ne peut nous enlever et ils seront toujours avec nous. Ça, c'est très très bien écrit. Enfin, c'est même plus que bien écrit, c'est magnifiquement écrit. Rajni qui nous dit: c'est vrai, on ne peut pas voir la paix mentale ou l'amour, mais on peut certainement la sentir. Yossi qui dit: parfois on peut comprendre les choses sans les toucher ni les voir. Et ça, c'est vrai. Yessero qui nous dit: ça signifie que les émotions sont les plus importantes pour apercevoir le monde. Ouais, très bien écrit aussi, Yessero. Desarlika: je pense que ça, c'est une bonne description de l'amour. Oh là là. MNM19: oui, je suis d'accord avec cette citation spirituelle. Rajni: comment je peux vous écrire? Bah, vous pouvez m'écrire ici. Rajni: écrivez-moi votre phrase ici. Victoria Jacques qui nous dit: tout à fait. Cosmina Bellou: les plus belles choses du monde, dans l'acceptation générale, sont l'amour, l'amitié, la gentillesse, la douceur, la générosité, qui ne sont pas palpables, mais nous pouvons les sentir. Très bien écrit aussi. I just called: l'amour, le bonheur ne peuvent pas être vus ou touchés, ils peuvent seulement être ressentis. Waouh, c'est bien écrit aussi. Et franchement, bravo. Julia, je pense que... Hein, attends, je pense aux millefeuilles. Non? Et j'ai un doigt si c'est une bonne idée de le ressentir avec le cœur. C'est sûrement un truc que je voulais toucher avec ma bouche. Ah, donc le millefeuille, on doit l'aimer, mais avec la bouche, peut-être.
Upasana, ça me rappelle un roman, Le Petit Prince, ben oui, dont le renard apprivoise le petit prince et à la fin il lui dit cette citation, les plus belles choses du monde. Oui, oui, c'est ça. Hein, je l'avais, moi aussi, ça m'a fait penser au Petit Prince, Upasana. Sapna, oui, c'est comme le petit prince. Ah là, vous pensez que c'est la rose. Avec la rose, c'était magnifique. C'était oh, incroyable. Bon, allez, on ne va pas parler du petit prince pendant des heures. Continuons. Et comme chaque jour, nous découvrons un film, ce film qui s'intitule Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Ça va sortir, est-ce que c'est cette semaine ou la semaine prochaine? Mais vraiment, c'est un film très très récent. Donc, si vous avez l'occasion d'être en France, d'aller au cinéma, mettez votre masque parce que c'est pas la peine d'attraper des choses terribles, mais il faut quand même aller au cinéma et il faut soutenir les films français. On y va, je lis, vous écrivez. Daphné, enceinte de 3 mois, est en vacances à la campagne avec son compagnon François. Daphné, enceinte de 3 mois, est en vacances à la campagne avec son compagnon François. Alors ici, 3 éléments. Enceinte, faites attention et regardez votre écran. Vous allez voir comment on l'écrit. Enceinte. D'accord? C'est quand une femme attend un enfant. Eh bien, l'adjectif, c'est enceinte. Ensuite, le substantif campagne. Normalement, vous l'écrivez bien. Je regarde. Faites attention, Julia, il n'y a pas de A entre le M et le P. Bickert, c'était bien. Ouais, je regarde. Apparemment, c'est bien, bien écrit. Irène, attention, campagne, c'est C-A-M. Sapna aussi, campagne, C-A-M. Et Thanase, campagne, C-A-M. D'accord? Et puis, la dernière chose, c'est un substantif aussi, c'est un compagnon. En général, on utilise le mot compagnon quand la personne avec qui vous vivez n'est pas votre mari légitime ou officiel, mais vous vivez avec cette personne. Vous n'êtes pas marié, c'est votre compagnon. Donc ici, c'est O-M. D'accord? Donc COMPAGNON. Deuxième élément de cette histoire. Il doit s'absenter pour son travail et elle se retrouve seule pour accueillir Maxime, son cousin qu'elle n'avait jamais rencontré. Il doit s'absenter pour son travail et elle se retrouve seule pour accueillir Maxime, son cousin qu'elle n'avait jamais rencontré.
Alors ici, trois éléments comme d'habitude. Le verbe absenter ou plutôt s'absenter, puisque c'est un verbe pronominal. Ici, on doit le mettre à l'infinitif, puisque vous voyez que le premier verbe, devoir, est déjà conjugué. D'accord? Donc ici, absenter. Il doit s'absenter. Deuxième chose, c'est aussi un infinitif et c'est le verbe accueillir. Alors, il n'est pas très très facile. Je regarde. Je pense que vous avez bien écrit accueillir globalement. Irène, attention, regardez. Yossi, ça n'est pas acquérir, mais c'est accueillir. Ensuite, attention, I just called. Oui, c'était accueillir, il n'est pas facile du tout. Upasana aussi, faites attention. Les autres, je regarde. Non, c'était bien, c'était bien. Et puis, la dernière chose, en fait, c'était un participe passé. C'est rencontrer. Donc, elle n'avait jamais rencontré cette personne. C'est un plus que parfait, hein. Donc, elle n'avait jamais rencontré accent aigu. Puisque ici, ça n'est pas nécessaire de l'accorder. Regardons la suite. Troisième élément. En attendant le retour de François, ils font petit à petit connaissance et se confient des récits de plus en plus personnels. En attendant le retour de François, ils font petit à petit connaissance et se confient des récits de plus en plus personnels. Alors faites attention parce qu'ici, la première chose que nous cherchions, eh bien, c'était ce qu'on appelle un participe présent. Hein, puisqu'ici, c'est une forme, la forme du gérondif. Hein, souvenez-vous, la préposition en avec un participe présent, c'est ce qu'on appelle le gérondif. Mais le participe présent, il se termine en ANT. D'accord? Attendant DANT. Deuxième chose, c'est un substantif et c'est connaissance. Hein, l'expression, c'est faire connaissance. On écrit connaissance, C-O-N-N. Attention, il y a deux N. A-I-S-S. Attention, il y a deux S-A-N-C-E. Ouais, faites attention, I just called. C'était presque parfait. Phonétiquement, c'était bien. Mais c'est avec connaissance, c'est avec AN, d'accord? Et puis la dernière chose ici, c'est le verbe se confier. Et regardez ici, on le conjugue au présent, on le conjugue à la troisième personne du pluriel, puisque c'est elle et lui, hein, donc c'est il au pluriel, donc on va les faire à la troisième personne du pluriel, INT. Donc, il se confie, et on prononce pas le ENT, mais on doit l'écrire, hein, souvenez-vous. Il se confie, INT. Voilà. Allez, lisez avec moi ces trois éléments, s'il vous plaît. Daphné, enceinte de 3 mois, et en vacances à la campagne avec son compagnon François. Deuxième chose, il doit s'absenter pour son travail et elle se retrouve seule pour accueillir Maxime
son cousin qu'elle n'avait jamais rencontré. Troisième chose, en attendant le retour de François, ils font petit à petit connaissance et se confient des récits de plus en plus personnels. Nous n'aurons pas le temps de tout faire, mais il faut s'arrêter à un moment ou à un autre. Notre cours a duré 2h05, c'est pas mal, et souvenez-vous que c'est tous les jours. Donc, je vous donne rendez-vous demain, si vous le voulez bien, si vous êtes libre, si vous avez envie de faire des exercices avec moi, bah, écoutez, ça me fera très très plaisir. Merci beaucoup en tout cas, et puis profitez de la vie, parce que la vie est courte.